Tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau stream, c'est la 71e matinale. Et apparemment, c'est le Splatfest. Enfin, c'est un Splatfest tortue contre lièvre. Et je le savais pas. Mais bon, ça va pas trop changer notre planning. Ça m'étonnerait que j'aille faire du Splatfest. Ça me tente pas plus que ça. J'ai pas trop d'intérêt à avoir des coquillages. Je vais juste choisir un camp au cas où si un jour, genre, je joue à Splatoon et espérer avoir 3 coquillages. Tiens, on va peut-être acheter ça. On va aussi regarder ce qu'il y a d'autre, mais... Je sais pas s'il y a eu des nouvelles armes qui sont sorties. Wow! Il y en a eu un paquet. Ok, bon, on va devoir. Il est toujours sur la même arme depuis tout à l'heure. Putain, j'avais oublié. Mais il est vraiment casse-couille. Hein. Ils auraient dû rajouter une touche, ne pas écouter. Mais là, ça ferait 10 ans qu'on y serait encore, là. Et ils ont sorti pas mal de trucs, hein. Salut, Deitsetsu. Ça va? Alors... Ouais. Ouais. Oh, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Bim bam boum, Squiffer, il y avait quoi? Ouais, mais bon, l'arroseur lourd, voilà quoi. Oh, oh, je suis content! Un nouvel éclat blaster! Magnifiquement heureux! Bon, bah, ok, marqueur non. Ouais. Est-ce que j'ai assez pour t'acheter? Je ne pense pas. On va acheter ce qui peut être intéressant. Attends. Oh, attendez, je vais d'abord acheter les armes qui me plaisent un peu plus. On va le prendre parce qu'à mon avis c'est surpété. Arroseur long skipper. On va prendre le saut parce que. Il a l'air pas si mal que ça le saut. Les doubles choc chromatique et torpille. Oupa. Il me reste combien? 39 000. La badie avec le jouisateur et le détecteur, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, je préfère prendre la rose en l'eau. Je compte prendre aussi un... Oh la vache. Bon ballon. Pas bon ballon. Bon ballon. Je vais prendre les deux, allez. En fait, j'ai peut-être assez pour tout acheter, je me pose des questions. Ah non, je suis pas assez. Alors, on va prendre la balayée. Et il me reste de quoi acheter une arme. Attends, pourquoi je voudrais l'acheter? De la folie. Je vais prendre le squiffer. Salut là. 3 heures chez toi? De l'après-midi ou du matin? Ça change tout. Heures du mat. Donc tu es côte est américaine. Certainement. C'est quoi, 7 heures de décalage? Ouais, à peu près. 6 heures. 6 heures. Ah oui, t'es vraiment à l'est. Ok, alors. Canada. C'est vrai que si tu parles français, il y a plus de chances que tu sois au Canada. C'est... je sais pas si vous voulez vous comptez rejoindre. Qui compte rejoindre sur Deitsu, Ella et Salut Oxen. Et sur vous trois pour voir ce qu'on fait, si on se lance une private ou si on se fait un peu en mode tous ensemble, un peu de... Je sais même plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? de Monsieur Ours, on va dire. Hein? Ah, salut Pikminecraft. Tu peux pas, moi je peux rejoindre, d'accord. Ah bah, Oxen, je vais créer en... Pour l'instant, en Salmon Run, j'ai retrouvé le mot. En Salmon Run, et... Vous m'entendez?
où je parle si bas que ça active. Ah si, ça active mon micro, mais très bas. Ok. Moi, je suis ban. Ah bah, c'est pas bien. Je peux plus à Splatoon. C'est River. Ah, bah, ok. Je me disais bien que je me souvenais pas. Ouais, j'ai. Arrêtez de changer vos pseudos, fixez-vous en un. Hein. Si vous voulez, que les gens se rappellent de vous, ou alors c'est que vous voulez pas que les gens se rappellent de vous. Et t'as pris tortue. Moi, on va faire de la privée de toute manière. Donc là, je vais juste créer une session pour l'instant pour attendre qu'il y ait assez de monde pour jouer avec nous en Salmon et après on partira en private. Je vais pas m'amuser à faire du. Faire du Splatfest. J'ai du mal à sortir, à trouver mes mots, à sortir mes mots. Bon, ça existe pas de se faire ban pour squid bagging. Déjà qu'ils arrivent pas à trouver des hackers, tu vas pas me dire qu'ils s'amusent à trouver des gens qui squid bag. Hein. ça me choquerait. Hein. On peut report des gens maintenant dans Splatoon. Il me semblait qu'on pouvait juste les blacklister. Du coup, oui, ça fait longtemps que c'est que j'ai arrêté de la compète, de faire de la compète. Hein. Ça fait plus d'un an. Hein. D'accord, on peut reporter des gens. Bah écoute. Du coup, t'as là... Mais j'imagine que c'est juste un ban temporaire, de toute manière, quand tu es pour squid bagging. Ah, c'est avec le Nintendo Switch Online qu'il faut le faire. Là, faut vraiment être motivé pour casser les couilles. Mais ouais, la compète sur Splatoon 2, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai remarqué que... Et même pour mon bien-être... Mais putain, tu vas encore à Disneyland, Gabi? Pas possible. Pour mon bien-être mental, je fais mieux d'arrêter de faire de la compète. Je suis quelqu'un qui, quand on joue sérieusement, est très vite sur les nerfs. Et c'est mauvais pour mon couple. Ah, je reviens, j'ai oublié un truc. Mais tu l'as eu sur Twitter parce que j'ai l'impression que je vois pas les messages de quelqu'un. Je vois que moi et Oxen. Ah oui, alors j'ai pas fait le... Oui, je suis sur Twitch, je vous suis sur Mixer et sur YouTube. Et j'ai pas fait le fait que les messages soient transportés de l'un à l'autre. Je trouve ça un peu inutile. Ah bah allez, hop, on en a un. On va lancer. Je suis le meilleur pourtant. Loin de là, je suis clairement pas le meilleur. Non mais après là je me suis mis un peu plus à Overwatch en ce moment, je regarde de la compétition haut niveau, hein. Quand je dis haut niveau c'est vraiment des mecs qui sont payés pour, donc c'est pas comme sur Splatoon, et ça m'a donné envie un peu de rejouer à Overwatch, jeu qui est très bien, mais pareil, dès que je me commence à me mettre un peu sérieusement au jeu, je rage, et puis en plus j'ai un niveau de merde, mais de merde. Je suis quelqu'un qui est bon sur PC, mais pas sur les jeux d'équipe sur PC, je suis vraiment bon en 1v1, mais alors le reste... Une catastrophe. À la prochaine, attendez-moi. Ok, pas de soucis, Pikmin. Ouh, c'est le nouvel map. Pikmin Ellie, le film Dragon Ball Super Broly. Non, on n'a pas vu le film Dragon Ball Super Broly. Il m'attire pas plus que ça. Je pense qu'on le regardera sur Internet, dirons-nous. C'est quoi ce bordel? Oh non, mais elle est catastrophique, cette map. Il y a de l'eau ici. Putain, c'est un mort. Ah, ici, ok. Ouais, mais c'est pas là où il y a le boss. Il est là, le boss. Putain, j'ai pas d'en... Qu'est-ce que... Ok, j'ai mis ma bombe trop tard, mais c'est pas grave. On est là pour jouer en équipe, pas pour récupérer tous les œufs de tout le monde. Ouais, vas-y, récupère un œuf, je m'en fous. Mais
La complète me plaît toujours, hein. C'est juste que j'ai pas le bon état d'esprit pour pouvoir en faire. Je suis pas quelqu'un d'assez... Je pense que je suis pas quelqu'un d'assez posé pour... J'accepte très mal la défaite. Et donc... Ça me tue, quoi. Je veux dire, je pense que un jour je ferai une crise cardiaque si je continue de faire ça. Pourquoi j'ai pas mis ma bombe? J'avais tout mon an. Tiens, je vais vous prendre ça. Ah, mais merde! Quel con. L'histoire est bien, mais pas incroyable. Ouais, ça m'étonne pas trop. Hein. Bah, j'ai vu un résumé hein, de Dragon Ball Super. Enfin, Super Broly, hein, machin, au milieu. Je vais mettre 3 ans à le tuer. Hein. Par contre, on a récolté quand même pas mal d'eux, mais après, bon, c'est une première vague facile. 7, 6, 5, comment tuer des monstres. Et tu vas jouer à Gabi ou pas, en fait? Je sais pas s'il est encore là. Sauf qu'il s'est juste le réveillé et ça en avant tout de suite. A plus, c'est là. Dors bien, bonne nuit. Oh non, mais sérieusement, la merde que c'est ce truc. Oxen qui s'est pris à côté, ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais ok, bien joué. Il est où le requin? Il arrive jamais? Eh, hey, mais cassez-vous de là! Ah, j'ai le bing bang boom de merde! Ah, je pensais que j'avais encore le saut. Il est où le lance-missile? Il est de l'autre côté. Oh putain, j'ai tellement pas envie d'y aller. Mais être de l'autre côté, c'est se tuer un peu en fait. Ah bah j'ai... Quoi? Ok. On a plié ce sous devant moi. T'as plus l'abonnement? Ah merde. Non, le petit con. Oh. Je fais des allers-retours des deux côtés. En fait, je fais pas grand-chose depuis tout à l'heure. Hein. Je voulais essayer de lire le chat en même temps, mais franchement, c'est pas évident. Mon coéquipier est mort ou... Non, il y a un coéquipier qui est de l'autre côté de la Terre. Oh! Non, je l'ai pas eu. 31, mais putain. En fait, cette map est tellement petite que c'est... Je pense que tu peux récolter la masse de... Les vues que les boss sont jamais trop loin. J'ai plus l'abonnement, bref, moi je pars du live, mais à plus, j'allais dire Kiver, mais... River, putain, mais... Je sais pas pourquoi, j'ai des problèmes mentaux. Salut Noam, en fait, je crois que je t'avais pas dit bonjour. Ah, c'est le parapluie à la Montmalneux. Oh, je me suis tapé le mur. Ok. Ouais, je m'en fous, toi. Ah, ça m'intéresse, en fait. Aouh. Il est où ce point de parapluie? Je sers à rien. Vas-y, c'est bien. Voilà. 3 œufs gratos. Encore, mais faut que je vous sauve tous là. J'ai pas fait la bonne manip. C'est moi. Oh, c'était un peu des deux, tiens, c'est marrant. Et je trouve qu'on subit pas trop de pression que ça sur cette map là, c'est étonnant pour une map si petite. Oh la vache, mais ils nous ont donné masse de requins en fait. Hein. C'est trop bien. Ça, c'est tellement l'ennemi trop simple à tuer. Coucou.
Enfin, 3 secondes, de toute façon, j'aurais pas fait grand chose. Salut Lopilu! Si tu veux me rejoindre, vas-y, hein, t'as mon code Nintendo Switch en bas de l'écran. Enfin, en bas du stream. Gros chiffre numéro marqué. On fait du Salmon et après on partira finalement en private, dès qu'il y a assez de monde. Bah je sais pas, ça dépend si on est déjà 4. Oxen. Si on est 4, on pourrait faire directement du... Alors un Pikmin qui doit nous rejoindre normalement. Et on va voir si quelqu'un d'autre... Alors est-ce que quelqu'un d'autre est motivé dans le chat pour nous rejoindre? Comme ça on se fait un peu de private, on se fait du 2v2 ou... Ouais. On va refaire une partie de Salmon pendant que vous décidez. Ça permettra d'avoir le nouvel équipement aussi. Ah bah Lopidu, je sais pas si je t'ai en contact, sinon tu me rajoutes. Marqué au milieu. Et puis on ira se faire de la private tous ensemble. En tête à tête avec moi, madame. En tête à tête avec moi, madame. J'avais pas vu le message de Gabi. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on est allé là-bas? C'est le mode plage de cette map-là, c'est ça? Faut lancer au... Par contre, les armes sont pas trop mal. Ah mais oui, c'est des armes complètement random. Alors je sais pas si c'est random à chaque tour ou pas. Putain, il est pas là le panier, trou du cul. Je suis passé à côté. Alors faudrait absolument le tuer, hein. Je sais que j'ai pas été très efficace pendant mon absence. Aller chercher un panier qui n'existait pas. Oh, je l'ai raté. C'est mes œufs. Attends. Double sniper, c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Venir s'emmerder pour ne rien faire. En fait, je suis le seul avec une très grande mobilité, donc il faudrait peut-être que j'aille buter les mobs qui sont loin. Et j'ouvre des chemins. C'est peut-être pas mal aussi. Ok, ça c'est bon. Un pour chacun de nous, pas de bagarre. Pas mal. Alors qu'est-ce qu'il me disait Gabi? Oui, seul en tête à tête avec moi madame. Tu nous rejoins Gabi si t'es encore là? On t'attend hein. Ah, ils sont là. Ah, c'est moi qui ai eu l'œuf. Ok. Donc nous avons deux. Mais c'est. Toujours par paire les trucs. Deux Liquid Probe, un Blaster, un Ancré. C'est pas funky ce que nous avons. Beaucoup de dissonance, hein. Belle dissonance, mais dissonance quand même. Ouais, moi je m'en tape. Hein. Non, je suis déjà à l'aéroport. Ah, salut Ice Cream. Ah bon, on sera largement assez pour en faire une private alors. Ah, quelques kills. Brunet de tes cendres. Tickle machin, je ne sais pas prononcer. Par contre, faut que je me casse ici. Hein. On a toujours pas l'objectif, hein. C'est un peu naze. Et nous avons un de nos coéquipiers qui est mort. Où est-il? Ok, là-bas, c'est pique. Si je peux rester en vie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Ah oui, c'est vrai qu'on a des ultis. Parfait, pile poil au moment où je comptais mon salaire d'un. Je suis mort. Ah bah ça me l'a compté d'ailleurs. Je suis tombé. Alors mes cultivés sont en vie. Mais tu vas où? Il s'en va, Gabi. Pas en vacances. Mais oui, je suis con, c'est des vacances pour toi? Non, Paris, c'est déjà fini. Puis t'es en alternance, en fait. Ouais, je sais, il y a la Pima, mais j'en ai rien à foutre. Ah, peut-être pas, en fait, parce que mes coéquipiers sont pas dessus. Par contre, je fais bien du kill. Excusez-moi, pardon. On en neuf quand même, hein, parce qu'il faut bien faire un peu l'objectif. Eh, hey, vas-y, me crache pas dessus, toi. Et je me suis pris un coup de poil. Ok, ça, ça pue un peu. Il y a des œufs partout, hein. On n'en a aucun, mais il y en a partout. Oh putain, vas-y, le serpent qui m'arrive bon. Ah, mais tu fais du blind sous Stockholm. En combien de temps? Paris, ça vient de commencer. On est deux morts. Oxen est encore en vie. Oxen est mort. C'est pas grave, ça va nous lancer un peu. On va pouvoir lancer la private. Une petite semaine. Putain, tu vas bouger là. Ouais, une grande semaine alors, 3 jours par pays. Et puis une semaine, ça fait 7 jours. Allez, on va se faire de la private. Oui, laissez-moi mettre ce boulot. Bah, le problème du Splatfest, c'est que va falloir que je choisisse 5 camps. Alors, dites-moi tous dans quel camp vous êtes. Si tout le monde est dans le même camp, je veux bien en faire. Mais si on n'est pas tous dans le même camp, c'est un peu la merde, quoi. Je vais pas laisser la moitié des gens se faire chier alors qu'on pourrait jouer tous ensemble. Des japonais. T'as rien pris toi? Ok. Saphir est tortue. Pikmin était tortue, je crois aussi. Ah mais ça fait trop déjà. S'il y a Saphir, toi c'est Ascrim, parce que je regardais ton pseudo dans le chat. Oxen, moi et Pikmin, bah voilà quoi. Ah tu vas aller faire du smash? Ok. Bah écoute, à plus Pikmin. Toi, perso, tu préfères private. Ouais, mais si on est que 4, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Saphir, tu peux rejoindre ou pas? Est-ce que tu peux jouer? Ce qu'on va faire, c'est qu'apparemment, il y a plus de gens. Oxen, t'es tortue? T'es tortue, ok. On va prendre tortue. Eh bah, on va prendre tortue et puis on va se faire une petite équipe de 4. Et après, s'il y a plus de monde, on part en private. Parce que pour l'instant, on est que 4. Bon, et je dis pas que. Tu n'auras plus changé à la suite. Je m'en fous. Allez. Tion. Allez, on va... Pardon, excusez-moi. J'ai rêvé que j'allais avoir un pharmacien pour demander un truc pour ma gorge. C'est quand même pas mal, hein.
Alors, est-ce que je vais prendre une nouvelle arme? Non. Je pense que je vais partir sur un... J'ai aucune idée. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un tampon dessus? C'est-à-dire... Alors là, je suis à... Ouais, et là, je suis à... Un demi-million. Un demi-million. Je comprends pas trop le délire des tampons. C'est juste dire... ouais, t'as beaucoup joué avec cette arme, c'est ça? Je suis pas un demi-million. Demi-million, c'est l'orange, c'est ça? C'est bien, c'est juste le tournoi que tu avais créé avec les équipes. Oui! C'était marrant, j'aimais bien. Ouais, je sais, c'était cool. C'était cool, mais c'est vrai que là, je suis pas, je suis plus assez investi dans la vie de la BNT pour leur imposer un truc comme ça, quoi. Je pense qu'il y en a certains qui seraient motivés. Après, il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de membres de la BNT que je ne connais pas parce que bah, il y a eu beaucoup de recrutements et que je suis pas là, quoi. Donc, ce serait un peu bizarre d'arriver et de dire, hey, salut les mecs, je vous connais pas, mais vous voulez bien participer à un truc avec moi? Donc, je sais pas trop. Chez Gabi et Greg serait certainement motivé. Motivé. Ah, pardon, j'ai du mal un peu. Tu te souviens Gabi quand on avait fait, enfin imposer déjà imposer, t'as un bien grand mot, c'est faire une demande, mais ça me semble pas raisonnable. C'était, tu sais, qu'on avait fait un tournoi tous ensemble. Par contre, faut que je me décide là. Et pour me décider, faut que je sois en partie. Donc attends, Saphir, est-ce que tu m'as dans mes contacts? Je sais plus. C'est quoi défi? C'est quoi normal? Il y en a un qui est groupe et pas groupe, hein. La partie commencera quand 8 joueurs l'auront rejointe. Ouais, ok. Ah, ami, ok. Pas une session. Quelle arme je vais prendre? J'aime bien l'équipe pro, mais... Ouais, j'aimerais m'amuser un peu avec le... Avec le double nettoyeur. Eh ben, on attend plus que toi, Saphir. Ah ouais, on pourrait. Ouais, mais tu vois, c'est... le souci, c'est qu'il y a beaucoup de membres de la BNT que je ne connais pas. Bah, Féo, je connais le nom, mais en soi, je lui ai jamais parlé. Pareil pour la nouvelle membre, je sais plus comment elle s'appelle, putain. En même temps, vous changez tout le temps les pseudos sur Discord, comment vous voulez que je m'en souvienne? Peach, oh, merci. Peach, pareil, je la connais pas non plus. Bon, après Kita, je pense pas qu'elle serait contre, mais elle serait plus de se lever, un peu comme vous, hein. C'est pas évident de se lever. En fait, je crois que ça, comme ça fait longtemps, tu m'as supprimé. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Donc, si tu peux me re-rajouter, je vais regarder si j'en ai. Parce que des fois, je fais du random, je fais ça et je fais hop, et allez hop, toi tu dégales. Et donc, sauf si c'est un pseudo que je connais vraiment parfaitement, quelqu'un qui vient hein, quasiment toutes les semaines, sinon, par exemple, ah non, Kia, si je vois qui c'est, et Ethan aussi. Akiti, par exemple, je vois pas qui c'est. Sincèrement, je vois pas qui c'est. Pourtant, il a joué 900 heures, ça se trouve, j'ai déjà joué avec lui, mais à Katie, là, c'est de la liste. Comme ça, on est sûr qu'il y aura une place. Donc, si tu peux me rajouter. Kita, elle dominera sûrement. De quoi elle dominera? Elle est moins forte que moi, Kita. Une heure, ça fait. C'est quoi mon code? Mon code était affiché en bas de l'écran, au milieu, regarde. Tu vois, en dessous de... Enfin, l'image, l'écran vidéo Splatoon. Sur la vidéo, en bas, au milieu, t'as un code. Et c'est mon code Ami Switch. En fait, je sais pas pourquoi je le laisse, parce que les gens ne le voient pas. Pourtant, il est gros, hein. Mais si tu veux, je te le remarque dans le chat. Ça fait gagner du temps, c'est toujours ça. 51 à 36. Merde, attends. 51, 36, 52, 29, 16, 12. Voilà.
Voilà. Oh, t'as été plus rapide que quand je l'ai tapé moi-même. Bon, on va pouvoir enfin jouer. Créer une session. Oui, ami libre. Oui, 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 ça me va. C'est ce que je veux. Bon, allez, il me reste plus qu'à. Merde. Et de faire n'importe quoi. Oui, donc j'ai été parti sur cette arme. Bah, écoute. Ouais, Oxed, je crois que c'est toi qui le disais. J'essaierai peut-être refaire une session comme ça. Avec des lots à gagner, par contre, pour l'équipe qui gagne. Je pense. Ce sera mieux. Ce sera plus sympa. Mais le souci, je sais pas si tu te rappelles, c'est qu'il y avait. Allez, il y avait Craig, il y avait Maggie, il y avait moi, Gabi. Il y avait Vira. Je crois qu'il y avait 6 équipes. Et le souci. Si, normalement, tu dois pouvoir me rejoindre. Hein. J'ai vu que tout le monde peut me rejoindre. Et que j'ai relancé la session après t'avoir accepté. T'es en tortue, hein. T'as pas choisi tortue, malheureusement, tu pourras pas. Hein. Quitte le hall et relance-le, c'était parce que je t'avais pas... Ouais, quitte le menu où tu vois les amis, des fois, je pense que... Est-ce que je te vois bien dans la liste? Sinon, attends, ice cream, tu crées, ok? Et dire putain, mais il me casse les couilles. Ice cream va créer. Ou alors, attends, mais non, c'est bon, il n'y a pas besoin de recréer en fait. Voilà. Il va se barrer, il va recréer. Ah ouais. Ou alors, c'est parce qu'il y avait un délai. On va attendre qu'il crée. Mais voilà, ce que je me rappelle moi du tournoi, c'est que ça avait été très long et on n'avait pas eu le temps de faire vraiment tous les matchs comme on voulait. Mais c'est vrai que pour donner un peu plus de challenge au tournoi, j'aurais bien donné un truc à l'équipe gagnante. Genre des bons d'achat ou un truc comme ça, c'est pour ce style, de ce style-là. Mais déjà, il faut qu'il y ait de la participation. Je crois que si je mets des bons d'achat, je crois qu'il va y avoir de la participation, c'est à peu près sûr. Comme le tournoi Mario Kart 8, hein, putain. Ça me rappellera toujours Lucky qui avait rejoint. Qui avait un peu ragé après. Hein. Très content parce que sur une partie, je lui avais envoyé 4 carapaces rouges d'affilée. On prend, mais c'est le jeu, hein. Mais le jeu m'énerve aussi, des fois. Donc, c'est plus au jeu qu'il faut en vouloir. C'est lui qui donne les objets pour te niquer. Ouais, j'espère qu'on va trouver du monde en fait, surtout en face. Parce que si il cherche équipe par rapport à équipe, et qu'il n'y a personne ce matin, ça va être chiant. Ouais, c'est pas une question de bien aimer, hein, Oxen. C'est plus un problème d'organisation. C'est-à-dire que faire un tournoi, dès que tu vas avoir... Si t'as plus de 4 équipes, c'est long, déjà. C'est très long. Donc, je sais pas trop comment je peux faire un format qui accepte... Allez, si on prend les membres de BNT et qu'on fait le même principe. T'as Gabi, moi... T'as Viera qui est revenue, t'as Féo, t'as Peach, t'as Greg, t'as Kita, t'as... Merde, j'ai redit Féo ou pas? Je sais plus. On est 7 ou 8, donc 8 équipes, ça fait quand même un max. Après, je sais que tout le monde ne pourra pas forcément participer, mais... Ce que je dis, c'est que au-dessus de 4 équipes, déjà, ça devient la merde. 4, je suis sûr qu'on les aurait, mais... ça devrait pas être évident, quoi. Mais c'est vrai que le principe était cool, hein. Là, j'avais beaucoup aimé cette session-là. J'avais pas participé, hein. Il me semble que j'étais seulement commentateur. Et que j'étais un plus 1 au cas où s'il manquait quelqu'un dans une équipe.
Ouais, il est passé à côté de moi, là, monsieur, dame. Ouais, le monde, je pense que, ouais, avec les gens... Surtout si je mets un petit cash price pour tout le monde, je pense qu'il y aura du monde, c'est sûr. Mais je le ferai pour, je pense, un événement un spécial. Un peu. Bon, par contre, faudrait que je tue les gens. Mais pourquoi je vais affronter des gens, en fait? Cette arme-là ne sert pas à affronter des gens. Elle sert à gérer la position. Je t'ai vu. Il va essayer de me prendre un gros verre à droite, je fais semblant de pas regarder. Et là, je fonce et je tire. Et je sais qui est là. Ah, bien joué. Bien tenté. Mais j'ai une équipe de feu de Dieu. Ouais, j'ai cru qu'il était en train de monter avec son déplacement, c'était marrant. J'ai complètement foiré mon truc. Bon, c'est facile à gérer, hein, mode turf, pas trop dur, pas d'objectif, faut peindre devant soi. C'est bien pour une reprise. Oh, je l'ai pas tué. Au moins, mon coéquipier l'a fait, mais... Ouais, j'aurais fait un kill. Ok, bien tombé ça là. J'aurais pas lancé tant de multi-missiles que ça. Ah, oh, vas-y. Je joue pas bien. J'ai perdu tout mon talent. J'ai plus visé. Par contre, c'est vrai que, vu que je joue pas beaucoup, je trouve que la reprise en main de Splatoon se fait quand même assez bien. Que je joue pas sur manette ni avec le gyro dans aucun autre jeu. Et je trouve que ça se reprend très vite en main et c'est assez agréable. C'est parce que j'y parle plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bonus de synergie. En un match, tu gagnes autant de points. C'est ouf. J'ai juste... Ah, par contre, il enchaîne comme ça. Ok, ça va être violent. L'équipe pro, c'est où, bordel de merde? J'en ai pas un dans les premiers. De quoi? Ancré. Voilà, ça devrait aller. Ouais, j'avoue qu'il y a un temps d'attente, mais au bout de 2-3 games, ça revient. D'accord. Là pour le week-end, alors demain je sais qu'il n'y aura pas de live parce que je vais faire un barbecue midi, je pense. C'est pas encore fixé avec les amis, mais on va certainement se faire un barbecue. Donc le matin, on partira pour aller se préparer le barbecue et le faire le midi. Donc je pense pas qu'il y aura de live, en tout cas le matin. Je ferai peut-être un petit live Overwatch, je sais que Mary doit pas mal travailler, elle a son concours là cette semaine. Et lundi, je pense que j'en ferai un live le matin, peut-être sur Rocket League, pour histoire de changer un peu. Rien n'est fixé, mais... Alors, elle ressemble à quoi cette map? Oh la vache, il y a beaucoup de trucs à montrer. C'est les mêmes que tout à l'heure? Je sais pas.
Je ne l'ai pas touché. Par contre, toi. Oh, vas-y. Je mets pas le dernier hit. Je vais tuer mes coéquipiers, comme ça je vais pouvoir passer devant eux au kill. Non. Par contre, j'ai du mal à regérer les distances de tir. Oh. Il y en a un qui va m'arriver là. Hein. Par contre, ils ont. J'allais dire qu'ils ont réussi à la porter, mais. Ouais, plutôt, ouais. Ça, c'est un beau mur invisible. Hein. Incroyable. J'ai pas le droit de me faire tuer comme ça, putain. Mais il y a une partie, hein. Ok. En fait, on y va comment, ce truc-là? Ah, mais c'est une partie qui glisse comme ça. Ok. Ah, mais ok, t'as des matins. J'ai tué quelqu'un? Non, j'ai fait une assist. Vas-y, ça me fout. Je joue mal. Je joue vraiment mal là. On voit la perte de niveau. Hein. Les réflexes sont là, mais la visée, pas du tout. On va se faire une guerre d'opposition. Hein. Putain, mais comment on peut mourir sur un mec au marqueur là, quoi? Sur le côté. C'est le moment de gagner, hein. Bizarre, je mets pas de hit. Ouais, mais les tirs sont pas instants, putain, c'est pas Overwatch, quoi. Faut arrêter de croire. T'es dans un jeu réactif sans lag. Pas vrai, hein. C'est pas vrai. On a perdu de toute manière. Je suis sûr qu'ils ont tous peint vers chez nous. Oh, le lag. C'est ouf. Ah, salut Azuki. Bah écoute, si tu peux nous rejoindre, on va partir en private, je pense, dans ces cas-là. Comme ça, on pourra accepter plus de monde. On a perdu, bah oui, parce que toute la zone est peinte de leur couleur. Ah, donc ça avance au fur et à mesure. Donc c'est une zone que tu ne pourras jamais récupérer. Ah ouais, ça, c'est vachement important. Oui, en fait, cette zone-là est... importante à squatter à mort. Donc il va pouvoir venir. Azuki, tu peux nous rejoindre. Sinon, on s'en fait une... on continue un peu pour l'instant en match spatial. Ah oh, bah, Ice Cream, il a dû partir. Ah, il choisissait son arbre. Ok. En fait, tu peux la faire bouger, la plateforme. Ok. D'accord. Bah écoute, dans ces cas-là, je le saurai. Et on la fait bouger comment, la plateforme? Marqueur lourd, ça one shot, corps à corps. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Mais le mec m'a bien cherché. Hein. Le mec est venu me chercher et j'ai pêché. Hein. C'est juste que j'aurais pas dû me faire avoir comme ça, dans le sens où... hein. J'aurais pas dû le laisser réussir à s'avancer aussi vite sur moi. Et moi mauvais. J'ai été mauvais, c'est tout. Allez. Donc la même map. Ah oui, elle avance comme ça. Et donc la partie qui est en l'air, elle compte ou elle compte pas quand elle si on la refait revenir dans l'autre sens? Moi j'ai déjà bien peint de l'autre côté. Mettre sur la petite hauteur.
What? 2 kills, nickel. J'ouvre le bal. Joli, je sais, je sais. Alors comment il faut avancer ça? Ah, il tire sur le truc central. Ok, nickel, merci, j'ai vu. Et si tu fais tirer dans l'autre sens, ça fait bouger dans l'autre sens, j'imagine. Est-ce que je vais le coincer? Non, il va pas être con. Prendre ça, ça peut faire mal. Yeah! C'est bizarre, il avait le visage vert. Putain. Je me suis déplacé vers le splashdown, putain, quel con. Alors, ils ont que des armes courtes portées, sauf la body. Donc, en soi, si je fais assez attention, c'est pas le con. Ah, en fait, le mec, il a une peinture verte sur le visage, c'est dégueulasse. Comment savoir s'il est weak ou quoi? Ok, on s'éloigne. On balance une petite bombe. Il me faut de l'encre. Oh non! Ah oh, c'est bon, on a largement l'avantage en fait. Yeah! Bah Azuki a pas répondu hein. Azuki, viens-tu ou viens-tu pas? Je dis c'est largement bon. Ouais, ouais si quand même. 7%. La reprise est douce. Ça va. Les stades et les modes ont été mis à jour. D'accord. Allons-y. N'empêche, Nintendo se casse les couilles à créer des maps différentes. Je vais recréer la session. Sauf si quelqu'un a déjà créé. Ce qui n'est pas le cas. Il y a Misha aussi dans la BNT, je suis cool. Ice Cream, Saphir, Oxen, let's go! Quoique, attendez, je vais peut-être changer un peu d'armes histoire de montrer des gameplays et montrer que je suis fort avec toutes les armes. Ah putain, il me chante. Ah, ça va faire mal ça. Je sens que je vais galérer. Le problème, c'est qu'elle consomme énormément cette arme. Mais deux autres joueurs peuvent. Non, bah c'est cool. Bah on fait une dernière et puis. T'es sûr, Oxen hein? Attention. Hein? Ah, salut Léon. Bah écoute, ce qu'on fait, c'est que. Après, on part en. On va se faire une petite session private. Tiens, Adri Power, ça doit être quelqu'un que je connais, j'imagine. Parce que je l'ai en gras qui s'affiche. Puis ça me dit quelque chose, le pseudo. Double baddie, d'accord. On a une équipe très statique sauf Saphir. Après, c'est quoi? Ah, bah c'est Hippocamping et 103 Rana. Ça a l'air d'aller.
ça peut passer. Et ils attendirent des années. T'inquiète, Saphir, ça passe large. En fait, les maps sont pas si défavorables pour double buddy. Hippo et Centra Arwana, si tu arrives à bien camper ta position avec double buddy, tu fais vraiment mal. Au revoir. C'était sympa. Belle partie. Ah, Wookie. Ah, on joue contre d'autres tortues, tiens. Après, go private. Yes. Yes, on va private. Faut que je me fasse éclater la face. Salut, Noya. Oxen, fallait attendre que le mec il arrive en couloir. Il m'a niqué mon truc. Ouais, il est pas passé dans le couloir. En fait. Oh merde, putain, je me suis montré. C'était long, non? Oh, les pauvres, ils ont pas l'air de savoir jouer. Je vais faire ça, je vais me faire éclater. Ah, monte. Non, on monte pas tant que ça. Ouais, ok, non, on se casse. Je pensais qu'il allait partir, mais pas du tout. Il y en a un derrière. Ah, mais quoi? Les pauvres, ils se font éclater la face. Hein. Faut juste faire gaffe qu'on se fasse pas prendre un revers. Je vais essayer de m'avancer chez eux, je me fais chier, ok. Je suis déçu. Salut Ellie. Ah bah il y aura du monde en fait pour faire une primate. C'est parfait. Je vais essayer de peindre un peu plus de notre côté. Quelqu'un là. Oh putain! Oh yes! Oh, la moule! Le mec il est en train de tuer toute l'équipe. Les pauvres, ils avaient malheureusement pas le niveau. Allez, on va aller au private. Massacre à la Badie.
Alors, petite private, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire tout, hein. On va tout faire. J'espère qu'il y aura quand même assez de monde. Hein. Alors, nous allons faire quel mode? Mission Vaso. Et on va attendre que les personnes rejoignent. Parfait. Donc là, les potes d'Oxen vont pouvoir rejoindre. Alors, est-ce que Ellie et Noya peuvent rejoindre? Ouais, y a pas de souci, on attend. On a du temps, on n'est pas pressé, il est 10h11. On est large. Je mettrai fin, je pense, à la session vers 11h30, quelque chose comme ça. Parce qu'il faudrait que je fasse des courses en ligne. Comme d'habitude. Si on veut manger, pouvoir manger. Quoi qu'on a, on a de la bouffe encore, mais... Un Vdoni. J'attends un Vléon. Volti. Alors, je sais pas si Volti, c'est Léon. Alors, est-ce que Ellie va pouvoir rejoindre et Noya aussi? On est combien? 3 et 3, 6. Allez, on va en faire une, attendant que le dernier rejoigne. C'est Bazou. Oh, c'est Bazou. Je sais pas quoi prendre. Je vous préviens. Ah oui, alors faut changer le t-shirt. Elle consomme beaucoup. Il me semble pas qu'il consomme comme ça l'encri, mais bon. On va partir sur ça. Allez, bon, alors, stratégie, vous faites tout, moi je regarde. Mais tu es con, je peux faire ça pour aller encore plus vite. Qui va passer sur le côté. Parfait, on a pris l'avantage, on va presser. Hein? J'ai pas eu le temps de me retourner. Je savais qu'il était là, hein, mais je voulais avoir le temps de me retourner. Et je n'ai pas pu. Oh, j'y vais, putain. Mais pourquoi j'y vais? J'ai vu mon coéquipier mourir. J'aurais pas dû y aller. Mais le bazou, c'est vrai, j'avais jamais capté, mais le bazou tourne avec la plaque centrale.
Je me casse, on a repéré. Putain, je vais être hors-bord. Ah, l'arbre, mes coéquipiers sont morts. Parfait. Magnifique. On a bien foutu dans la merde mon coéquipier. Putain. Il a bien repéré, putain, fait chier. Il va falloir qu'on soit plus agressif. Hein. Tant pis pour mon splashdown. Ouais, tant pis pour mon splashdown. Allez hop. Ah, et mon coéquipier qui se barre! Saphir, faut rester avec ton bazou! Reste avec ton bazou, c'est important! Surtout si, si le troisième coéquipier est mort. Je l'ai pas vu, toi. Je crois que j'ai toujours pas vu. Putain, il est là. Le problème avec cette arme, c'est quand vous êtes coincé, vous êtes mort. Ah, mais on a une déco. Ah, fait chier. Magnifique. Je suis pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais que le rebord était un peu plus grand que ça. Hein. Je pensais pas tomber. Ouais, j'ai pas très bien joué. Hein. GS. On vient de jouer sur quelle map? Ah, y'a pas de soucis, Léon. Merde, si t'as pas eu le temps de rejoindre. Y'a pas de soucis pour les décos, hein, ça arrive. Après, si tu devais partir, bah écoute. Hein. C'est comme ça, hein. Salut, Cal. Je vais t'appeler Cal, ce sera plus simple. Si tu veux nous rejoindre en session privée avec, avec des viewers, donc mon identifiant Nintendo ID est en bas de l'écran, tu vois, au milieu. En bas. Milieu bas. Ce qui me manquait, c'est de la vitesse et de la sneakitude. Essayez comme ça. Ah non, on n'impose pas, Noya. Là, aujourd'hui, c'est tranquille. Pas de random, pas d'arme random choisie sélectionnée. Centra Ruana, j'avais pas calculé. Ah, Oxen qui est parti sur son âme de prédilection. Je tape tous les rebords. Alors, il y a quoi? Il y a un squiffer en face. Ça pue la merde. Putain, il a déjà son spell. Meurs. Meurs.
pourriture, le communiste. Ok, il y en a un qui s'en occupe déjà. Ouais, vas-y, c'est bon, il va. Parfait, il a bien réagi. Sinon, je vais arrêter, mais... Ok. Oh, vas-y! Putain, c'est insupportable. Bomb rush, c'est insupportable. Ah oui, ok. Je me suis inquiété pour en fait, je me demandais où était le troisième. Mais il devait déjà être mort. Ouais, bon, on n'a pas besoin de se presser, hein. ils doivent venir nous chercher. Oh, c'était à droite de moi, ce tir! Ah, je suis déçu. Tu peux me remercier. Je balance une bombe, genre. Allez, on va espérer quoi. J'ai fait mon connard. Hein. J'avoue, j'ai fait ma pute. Mais bon, des fois, faut bien faire sa pute hein, si on veut gagner. Il se fera pas avoir une deuxième fois par contre. C'est un cross? Oui, c'est un cross. J'ai même pas lancé une seule spé de la partie, quoi. Voltic nous a carré. Allez, plus de monde, j'espère. On est 8. Et non, on est 7. C'est pas grave. Alors, je vais juste retirer la main qu'on vient de faire. Centre Arrow Anne. J'ai eu peur qu'on était... En fait, on était 8 quand j'ai fait ça. Mais non, c'est bon. Donc, nous allons commenter un petit match sur Expédition Risquée. Sur Supermarché Cétacé en expédition risquée. Ce sera Ice Cream Volti Pin de Mix, on va dire. Et Saphir. Enfin, non, Pin de Mix contre Saphir Oxen et le pseudo imprononçable qui est Enoya. Alors, j'espère qu'il y aura du rebondissement pendant ce match. Hein. Ok, Ellie arrive juste après, on pourra faire du 4v4. Y'a pas quelqu'un que je dois pas mettre en spectateur d'ailleurs. Genre depuis 6 mois, je lui ai promis ça. C'est pain de mie. Ah ouais, c'est my English accent, c'est pain de mie. Allez, donc des armes assez courtes portées des deux côtés.
pour un match en expédition risquée. Et pas de blaster, étonnamment. Je suis très étonné, hein, qu'il n'y ait pas de blaster, ça me choque un peu. Je sais pas ce qui va se passer. Ok, avantage qui est pris clairement par l'équipe jaune, qui va pouvoir aller forcer ses firmes et Saphir qui arrive avant de mourir de prendre un kill sur Pin the Me. Et c'est parti, Volti qui a pris la tour et qui s'avance. Ah non, il l'a laissé à son comrade. Ah non, c'était pas Pandy, c'était Volti. Je sais pas, je confonds tout le pseudo là. Ok, Ice Cream qui a lancé son chromojet, mais Noya qui a décidé de lancer aussi le sien. Et Noya qui va peut-être se faire chercher par Pin the Me. Ah non, Pin the Me qui n'aura pas réussi à prendre Noya. Noya qui va pouvoir reprendre un revers en plus. Ice Cream, magnifique. Et les bleus vont pouvoir avancer la tour. Il y a quand même le premier checkpoint qui a réussi à être passé par l'équipe jaune. Attention, nous allons voir où est Volti. Volti qui a pris la hauteur et qui va pouvoir continuer son massacre, aidé de ses coéquipiers. L'équipe jaune qui va pouvoir repartir à l'attaque alors que l'équipe bleue n'aura pas réussi à dépasser le milieu malheureusement. Roxane qui s'est fait avoir derrière, regardez, on voit son point de vue magnifique de mort. Et c'est une question à la tour qui l'a fait avancer petit à petit, qui prend un petit kill à la bombe, tranquille. Et qui va arriver tout doucement au deuxième checkpoint, sauf que là ça va être Chromojet contre Chromojet. Et malheureusement ça tourne pas l'avantage d'Ice Cream parce qu'il est dans le camp adverse. Allez Oxen, ah c'est dommage, Oxen qui aurait pu continuer son œuvre, mais qui se fait arrêter par Volti. Allez, le deuxième checkpoint qui va être passé, parfait. Non j'ai pas envie que l'équipe jaune gagne, hein. C'est juste que c'est plus simple de comprendre. Allez, on est tous derrière l'équipe jaune, on y va. L'équipe bleue qui... allez, ah oh, putain, Noya qui aura pas réussi à prendre le kill. C'était pas loin, c'est dommage, hein, mais... malheureusement, deux personnes sur lui, c'était trop compliqué. Ice Cream qui aura mis une bonne pression sur cette partie. Salut Pomme de Terre. Et c'est Pain de Mie aussi. Pomme de Terre, c'est Pain de Mie, je suis sûr. Allez. Non, c'est pas toi. Si tu veux nous rejoindre, Pomme de Terre, tu peux nous rejoindre en bas. En milieu, en bas, il y a mon Nintendo ID et tu peux me rajouter. Ou alors, si tu connais déjà quelqu'un dans le stream, dans le live, tu peux aussi rejoindre. J'ai du mal à le sortir, sûr. Ah, bah maintenant qu'on est 10, ça va être plus compliqué. On a joué sur quelle map? Enfin, vous avez joué sur quelle map? Vous avez joué sur... Ouais, voilà. Et ben, on va pouvoir composer les équipes. Et c'est au tour de Saphir et de Ice Cream. Pluie de palourde. J'aime pas ce mode. Commentateur national. Bah écoutez, non, hein. Je voulais commenter des matchs potentiellement de l'EBTV, hein, mais pas forcément via leur plateforme. Et à chaque fois, on m'a cassé les couilles, enfin l'EBTV m'a cassé les couilles. En me disant, non, si t'es pas un streamer officiel EBTV, t'as pas le droit. Et en fait, je sais pas s'ils ont le droit parce qu'ils ont pas tout simplement de règlement concernant ça. Enfin, à l'époque, ils en avaient pas. Donc, normalement, j'aurais pu continuer. Parce que le droit de l'image des joueurs leur appartient. Et si l'équipe décide que bah, j'ai le droit, en soi, rien ne les interdit. Je vais donc partir sur une autre arme. J'ai bien envie d'essayer de faire quelque chose. Et j'ai perdu la moitié du temps à parler. Il y a longtemps que j'ai pas utilisé le... de Enzap. On va mettre un... Ouais, bon, c'est pas ouf, ça me convient pas comme équipement, mais c'est pas grave. On va faire avec. Nous avons Pin the Me, car c'est Ellie, pardon, et Léon. Et en face, nous avons Rom, Volti, et tout le tralala, Oxen et Noya. Je vais commander mon propre gameplay, vous allez voir, ça va être magnifique. Oh, le joueur français est nul à chier. Mais vu que je dis le joueur français, on sait pas si c'est moi, vu que vous êtes tous français. Allez, on va essayer de charger le shield rapidement.
Ok, shield contre shield au même moment. Il va nous tomber dessus. Parfait. Non, j'ai pas eu le temps de me décaler. Ouais, ça va, mais mes coéquipiers font le boulot quand même. Je vois pas du tout à quoi il sert ce truc. Les gens peuvent monter là? Je tremblais pas. Ok, on a pris cher. On peut se mettre en défense. Yes! Le shield qui m'a bien sauvé la vie. C'est pas grave! Bien joué la défense. Enfin, pas moi, hein, mon coéquipier qui l'avait bien vu arriver. Allez, on go push. Quoi? 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 Je l'ai pas eu! J'avais mon flingue pointé dans son dos! Putain, j'ai réussi à le louper, quoi. Mais là, je pense que c'est vraiment moi qui l'ai loupé. C'est pas je... Il flingue pointé dans son dos, mais j'ai oublié de tirer, quoi. Ok. C'est bien barré. Je me suis pas foiré cette fois, c'est bien. Oh non, je l'ai vu arriver. Putain, je pouvais rien faire. Je l'ai vu arriver beaucoup trop tard. Oh vache, je m'en doutais qu'il y en avait un qui était monté, putain, j'aurais dû faire bien. J'aurais dû faire plus attention que ça. Bon, une minute, on a fait quand même un bon push. Je vais essayer de prendre les dégager de l'un. Ah yes, je me suis mangé. Oh vas-y les pinceaux, le mec il a pas besoin de viser. Je reprends bien vite les bonnes habitudes. Hein. Rager contre les pinceaux et les éclats. Bon, il n'y a pas eu d'éclats d'ailleurs, étonnamment. Je trouve que les joueurs aujourd'hui sont très respectueux. Ok, ça se passe. Il a dû prendre cher le mec à les pinceaux là. Non? Apparemment pas. Bien joué. Il aurait pas kiffé de toute façon prendre le ballon. Il aurait vraiment pas kiffé. Bah nickel! C'est toi, Rome. Ah, j'avais pas vu, excuse-moi, en plus j'ai pas vu le message.
Eh bah, heureusement que j'avais des shields pour faire des kills. Hein. Enfin, pour faire des assists. Hein. Allez, nous sommes donc maintenant peut-être pas en guerre de territoire. On vient de jouer sur Sensiren, la map que j'aime le moins. Voilà, c'est dit. Un, deux, trois, quatre, on fait attention. 4 et 4, c'est bon. Manta Maria. A plus, Noya. Ça augmente quoi, ça, sur l'arroseur léger? Putain, si ça augmente ses dégâts, c'est ouf. Ah, j'ai mieux encore que ça. Il me semblait que j'avais un truc pas trop mal. Il me semblait que j'avais un quadra de d'armes secondaires. Je l'ai fumé? Ou alors je l'ai re-roll en me disant que c'était pas si utile que ça. Il me semble que je... Apparemment j'ai fait ça. Ouais. Bon, on va faire ça et puis ça on s'en fout un peu plus dans ces cas-là. Oh quoique. Si ça arrive. Salut Maxence! Si tu veux nous rejoindre, je crois qu'il y a encore une place de libre. Mon Nintendo ID est en bas au milieu de l'écran. Ok! Et. Ah bah voilà, le respect commence plus. Il n'y a plus de respect. On a perdu hein, un épinceau et un éclat. On récupère. Hein. Je vous préviens. Je préfère que ça soit clair entre nous. En plus, c'est le nouveau avec les bons ballons, donc trop fort quoi. Si je pouvais le tuer, merci. Ok, ça pue la merde. Quoi? Oh, c'est un scandale ça. C'est la bombe ballon qui m'a tué, mais je m'étais pas pris de hit. Je comprends pas. Il y a des bombes ballons qui one-shot, c'est ça? C'est ça? Il n'y a plus de respect? Il n'y a plus de respect! Ah, je balance pas loin mes bombes ballons par contre. Est-ce qu'il va essayer de nous contourner? Mais... Ouais. Vas-y, c'est tellement fort cette arme de merde. Je comprends pas qu'ils aient jamais nerfé cette arme. Elle est vraiment trop forte quoi, t'as pas besoin de savoir viser, ça tue. Et venez pas me dire que sa cadence, elle est parce que sa cadence est pas forte quoi. T'as vraiment rien besoin de savoir faire avec cette arme. Elle joue pour toi quoi. Bien joué coéquipier. Elle est trop forte cette arme. En plus ils en ont rajouté une avec bombe ballon quoi. C'est surtout ça qui me rend dingue. Je crois que je fais bien de plus jouer à ce plateau parce que cette arme là elle est juste over cheatée quoi. Et elle a quoi quand c'est multimissile? Bon encore les multimissiles c'est pas si fort que ça. Salut Chartier. Ah là là, elle est trop forte. Ah, un tour JRL, putain. C'est pas ma préférée non plus. Hein. J'aime bien Noya qui fait ma pieuve. Merci.
J'ai bien envie de jouer une arme que je vais mal jouer. Je vous le cache pas. Allez, je suis sûr qu'il va y avoir un sniper en face et je vais me faire éclater. Ça me fait pas plaisir. D'avance, ça me fait pas plaisir. Plus sniper, j'ai toujours été mauvais. Alors sur SP1 ça allait, mais sur SP2 j'ai toujours été mauvais. Mon écureuil qui est en train de manger en me regardant. Il me nargue. Ah, il y a un sniper en face. Yes. Mais il sait que je suis là, ok. Non. Oh, il y a une buddy. Ok. Il me saoule, je peux pas m'avancer tant qu'il y a cette badie parce qu'elle va venir me chercher. Ouais, je m'en fous, tiens. Ok. En plus, il a un mauvais angle, donc c'est free win. Passionnant ma partie. Magnifique! Aucun tir qui touche. Ok. Vas-y, on voit même pas le tir sur l'écran, putain! C'est abusif, le truc il est dans le sol, ça me touche. Bon, pour l'instant, j'ai rien fait. D'ailleurs, c'est pas un aspect. Ah, mais c'est des bombes, si je peux, je peux faire quelque chose alors. Essayer de me chercher ou pas? En fait, le problème c'est que les gens ils essaient pas de me chercher et j'aimerais bien qu'ils y viennent essayer de me chercher un peu plus. Ouais, bon, ok. 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 Eh, je suis à 3 km! Hein. Je suis 3 km au-dessus de ce truc et ça me touche! Ah, c'est un scandale. Vas-y, je vais pas toucher le pied. Je montre mon magnifique gameplay en tous les cas, ça, j'en suis très fier. Quoi, je l'ai... Bon. Échec sur échec, hein. Ah, en plus, ils ont 3v4, ah merde. Non, en même temps, on est un peu 3 dans notre équipe.
Eh mais c'est impressionnant, je sais plus viser au Giro. Que bon là, là normalement quand même, hein, j'aurais dû en toucher au moins un quoi. J'ai cru que la bombe c'était lui putain. Ah bah merci putain. Fallait qu'il y ait un mouvement linéaire, comme ça, ça me permettait de facilement viser. Ah, moi je m'en fous, hein, j'y vais. Voilà. Dégueulasse, hein. Attends, hop. Eh, hey, mais ça pique mal, fait trop mal. Attends, il a un truc pour augmenter sa force, ouais, voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est que s'ils augmentent sa force et son rayon, moi j'aimerais bien que ça soit visible, putain. Pas que quand ça soit dans la structure, on ne le voit pas. Ce n'est pas normal. Deux kills. Expédition risquée, on était sur la map de merde, la deuxième map de merde. Ah, Corosan. Bah je resterai bien quand même. Parce que j'ai été tellement nul que je pense qu'il faut que je recommence. Ça va, petite dame? Ah, en 3 snipers, c'est un peu abusif, non? En perso, je m'en fous, hein. Si vous me volez mes kills, je vais pas être content. Par contre, ça... Alors, je vous le dis tout de suite. D'accord. Ice Cream qui a changé, il a dit non, je vais pas lui piquer ses kills, c'est pas gentil. Surtout qu'il les fera pas, donc je peux pas vraiment lui piquer. J'ai redescendu un peu la caméra parce que c'est vrai que quand je joue, je me penche en avant et on ne voit plus rien. Enfin, on voit le bout de ma tête. Double sniper en face aussi. Okay. Les mecs, ils ont pas de vote. Je vais me mettre à une position qui ne va pas du tout à un sniper, ça va les surprendre. Ah, vous avez vu? Il s'est dit, mais pourquoi il est là? Pourquoi m'en bas? Ah mais il a zoom ou pas zoom? Ah il a pas zoom, putain, ok. Ah ça a pas dû passer loin. Oh yes, j'ai fait un kill déjà. C'est beaucoup plus tôt que la partie précédente. Attends, ils sont où les mecs? Je suis un peu inquiet, hein, je vois rien. Ok, les pinceaux qui arrivent sur moi. Ah
On doit être déçu. Ah, vas-y. Apparemment, on peut se faire report pour Squid Bag, donc je vais éviter de le faire. Et je suis vraiment trop fort. On passe le cliché. Putain, je savais qu'il était là. Je l'ai pas touché, quoi. Alors là, par contre, c'est un magnifique tir dans le mur. S'il vous plaît, ne prenez pas exemple dessus. Ok. J'ai battu un sniper. Oh. Par contre, j'aimerais bien qu'on passe avant que le... Oh, je suis un sniper corps à corps. Vous ne le saviez pas. C'est bien si personne prend la tour. Je quitte mon poste deux secondes, y'a plus personne. Oh, le kill de Koro 5 a mis 10 ans à s'afficher. C'est incroyable. Ce qui est marrant, c'est que le son m'a affiché comme quoi je l'ai touché. Et après, il a dû dire, ouais, alors, est-ce qu'il a vraiment touché ou pas? Parce qu'il nous manque des infos, là. Attends, on va le laisser s'avancer. Il est où? Oh putain, il s'est reculé, l'enfoiré. En même temps, vous avez vu comment il lag? Je suis désolé. C'est inadmissible. On en rigole, hein, mais... C'est vrai qu'en match, par contre, ça, c'est chiant, quoi. En vrai match, hein. Tu peux me remercier, Ice Cream. Tu feras un AVTO tous les soirs, jusqu'à ta mort, et ça ira. Ouais, y'a un mec sur la tour. Et ça va beaucoup mieux, hein. Peut-être parce qu'il y a plus de snipers en face. C'est vrai que ce qui est chiant avec cette technique, c'est que je peux pas faire ce que je veux. Ok, je crois que je suis repéré. J'arrive à m'en sortir, c'était un peu scandaleux. Allez, moi je crois qu'ils vont pousser, on va pouvoir faire quelques kills en contre. Je suis là, ouais, je lui indique bien ma... Ah, c'est... Oh, bah bien joué. Alors, le kill au snipe, ça je veux bien l'admettre. Mais je me dis, je pensais que c'était la pinma, je me dis, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai pas eu le temps de refaire un kill. Alors, bonjour, Frozen Fan. Salut Yoshi d'ailleurs. Salut Poto Rico. Matinal Vogue. Ouais, mais ça va être le bordel. ouais, c'est un peu ça le problème. Yo, ça fait longtemps. Je suis Mika. Ah, salut Mickey. J'arrive en privé à le pseudo Sorokton. Oh, bah super, nickel. Salut Ja aussi. On part en pluie de palourde et on a joué sur. Je sais plus. Si, j'ai bien joué pour une fois. J'ai pas fait attention au nombre de kills que j'avais fait, mais j'avais mieux joué que la partie précédente. Je pense qu'on a fait plus que deux. Ce qui est déjà bien. Je pouvais le faire dans le bon sens, ça irait plus vite. Pluie de palourde. Ouais, vas-y, on garde ça. J'ai envie de m'amuser un peu avec les snipes, ça fait longtemps. T
Si vous voulez rejoindre les gens qui sont dans le chat Twitch, Frozen et Ja, vous avez mon identifiant en bas. Vous le voyez sur la vidéo en bas. Allez. Massacrons des gens. C'est un bien grand mot, je pense, mais... Bonne chance. Yes. Ça devrait aller. Tout va bien se passer. Je pense qu'on va se faire éclater en fait. On a double snipe. Et encore, je suis pas un très bon snipe. Je pense que ça va être très difficile. Ah si, il garde sa charge, c'est pas mal ça. J'avais oublié, je savais plus s'il gardait sa charge ou quoi. Ah bah ça pue. Magnifique. J'étais trop lent, j'ai raté ma flèche avec mon gros pouce. Ah bah Skull, si tu pouvais jouer par contre, ce serait vraiment pas mal. Je te le cacherai pas. Moi j'ai un... Je crois que j'ai un lag. Hein. Ouh, il y avait le bras armé. Hein. Bras armé pour lancer sa palo. Défends notre panier jusqu'à la fin. Et hop là, je me casse parce que ça va nous tirer dessus. Ah vas-y, ils ont tellement de map control. C'est un peu le problème de notre compo, hein, je vois y arriver. C'est que on n'a pas de quoi peindre. Donc, pas de map control, pas de victoire. Ok. Oh putain, il a le truc pour faire une masse de dégâts. Ouais. Ça, c'est un peu abusif hein, avec les bulles, je trouve que c'est vraiment trop fort. Parce que là, j'étais quand même pas à côté. Hein. Ah, vas-y ta mère, l'autre qui me coince. Il y en a rien à foutre de moi. Je suis tellement mauvais. Ça sert à rien en fait, je suis plus avancé alors que je suis un décap. Tu fais comment pour faire des matchs normaux? On est en match privé en fait. En match privé, tu as accès à tout. Et tu peux pas faire des matchs normaux rank en fait, c'est pas de la rank ça. Quoi?
J'avais plus ma charge. Parfait. Bon, ça revient, hein. Je fais des kills, mais... C'est chaud, hein. Ok, je suis le seul en vie. On va essayer de tempo. Voilà, c'est mort. Ce qui est abusif avec ces vues, c'est que c'est trop fort. Elles font vraiment trop mal. Je pense que le... L'augmentation des dégâts des bulles devrait être diminuée. Oh ouais, j'ai pas non plus été médiocre. Ouais, j'ai pas été top, mais... Vu que c'est pas vraiment les armes que je joue d'habitude, ça me va. Y'a y a Yon maintenant. Alors, on va partir sur... On a joué sur... Pistolet roule... Non, on a joué dessus. Moi je fais pour la bonne. Et on part en mission bazooka. A plus pour me déter. Quoi mes coéquipiers? Je vais prendre un marqueur léger dans ce cas-là. Ok, ice cream. Is this, it's your last one? Bah, pour l'instant c'est pas si mal, si tu pars, on est 8, on a plus de soucis. Excusez-moi. Petit bâillement. Donny, Donny, tu peux le faire. Donny. D'accord. Ok. Et ouais. Marqueur lourd, tiens. C'est nouveau, ça. Qu'est-ce qu'il a? Dans la même idée, ça va pas le faire. Quand ils sont tous avancés, sauf s'il y en a un qui m'a feinté. Parfait, je crois qu'on a pris l'avantage. Oh non! Il est où le panier? Putain, le kill qui a mis 10 ans à s'afficher, ce qui m'a fait stresser à mort. Ah yes, ça a marché! J'y croyais pas! De toute façon, je me dis, si je mens, je suis mort de toute manière. Et je slide et je me dis, allez, vas-y, je vais essayer de la revoir en revers, en mode rapidos. Et ça a marché. Putain, j'y croyais pas. Hein. Parce que je vais pas arriver trop tard si je fais ça. Mon coéquipier qui est déjà parti en revers. Ouais, bon. Il est attendu. Ah, vas-y.
Si, je vais avoir beaucoup de mal avec contre le marqueur lourd parce que j'ai du mal à gérer sa distance. J'ai du mal à mon souvenir surtout. Donc c'était pas une arme qui était excessivement jouée. Par contre, je peux faire ça. Il va prendre sa revanche. C'était sûr. J'avais perdu l'ascendant. Putain, c'est con, si j'avais rushé un peu plus, peut-être. Je voulais être sûr que... Je me demandais s'il allait pas reculer vers moi, en fait, le bazou. Mais il l'a pas du tout fait. On va essayer de refaire ça. Et vu qu'il est bien côté droit, s'ils foncent tous vers le bazou, il y a moyen que... Ok, 1. 2. Et full team. Ok, nickel. Pour une fois que je prends le bazou. Il est derrière moi maintenant. Ah, les couilles piquées qui étaient trop derrière. Une fois qu'on est sur ton Discord, on doit aller où? Ah oui, alors faut que je te rajoute. Tu peux me donner ton pseudo Discord sur Discord? Parce qu'en fait, j'ai une petite partie privée qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais après, je t'avouerai que malheureusement, je suis pas très actif sur Discord. Mais tu peux toujours m'envoyer des messages et je répondrai par contre. Ça, c'est vrai que quand, par contre, quand on me parle, je réponds. Et tu pourras parler avec quelques autres membres de la communauté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus très grand monde sur ma partie privée. Bien joué. Extrem qui s'est pris le gros tir de canon dans la gueule. Okay. Essaie pas de passer par là, s'il te plaît, essaie pas de passer par là. Si j'avais pas visé celui avec son parapluie, c'était bon. Je te... Starlix. Oui, tu peux me rajouter un ami, ouais. Si c'est... ouais, y'a pas de soucis. En soi, je m'en fous. Mais je vais te rajouter tout de suite. Je vais juste l'ouvrir parce que c'est vrai que je suis pas dessus. Discord. Une fois... Non, mais t'as pas... y a pas de soucis à poser des questions. Hein. Y'a jamais de soucis. Même plutôt normal, hein, parce que c'est une partie un peu plus privée, donc tu es star, attends, hop, je suis sur le castiffon, annonce te live, star, je vois pas, parce que t'es en ligne, je crois. Ok, alors, maintenant, comment je fais, alors, deux secondes, hein, les gens, je suis désolé sur le live, Team Suisse, et normalement, tu vas avoir accès maintenant à la petite partie privée, qui est... J'ai marqué juste ici, les gens se demandent pourquoi j'ai marqué ici. Ok, défense zone. A plus au fait, Ice Cream. Défense de zone. Et on était sur Encrepot. Skatepark Mako, exactement. Ah,
force de zone sur cette map. Ça fait longtemps, tiens, mais je vais sortir un petit nettoyeur Uxol. Non, mon code... Alors, si tu veux pouvoir rejoindre Frozen, il n'y a pas de souci. Le plus simple, c'est que tu me rajoutes. Tu vois mon code qui est là, en bas à droite. Au milieu de l'écran, en fait, sur la vidéo. Tout en bas, tu as mon code 51 36 52 29 16 12. C'est mon code Nintendo Switch. Et tu me rajoutes. Je vois la demande. Et je t'accepte, sauf si tu me l'as déjà envoyé, que j'ai pas vu. Non, tu l'as pas encore fait. Par contre, la session va se finir à vers 11h30, parce qu'après, je dois faire des courses. Par contre, il y aura une nouvelle session, je pense, lundi matin, et je fais des fois aussi d'autres jeux, donc si ça t'intéresse, il n'y a pas de souci. Et je joue, j'ai tendance souvent, quand je fais des lives, à jouer avec les abonnés, sauf si c'est des matchs particuliers, mais vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de match de compétition, normalement, si tu vois un live, c'est que c'est aussi pour jouer avec vous. Salut Fab! T'arrives tard. Ah merde, il l'avait pas vu, Ilohan, qui a été en spec. Si tu peux accepter en spec. Super. J'espère surtout que ça va pas me déco à faire le con comme ça. Je mets trop de temps, ça va me déco. Non. Je t'ai accepté, donc tu vas pouvoir rejoindre la prochaine s'il y a assez de place. Malheureusement, on est déjà neuf, donc faut que tu sois le prochain. Faut que ça soit sûr que ce soit toi. Sinon tu devras attendre un peu ou, je te dis, vu que ça va bientôt finir, t'emmerdes peut-être pas forcément à rejoindre. Et... Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il la met sur la zone, ça me va. Hein? Il était où? Fais gaffe à Yoshizor, hein. Je sais qu'il veut me chercher depuis tout à l'heure. Et je sais qu'il doit être encore par là-bas à droite. Non, il est là. Je lui ai mis un coup, je lui ai mis le dernier, yes. Je sais que c'est le plus dangereux, je pense, parce qu'il veut absolument venir me chercher. Ça, c'est pas cool, hein. Yoshi, franchement, un petit effort la prochaine fois. Tu peux aussi focus ce joueur. Non, mais en soi, il a raison, c'est que je suis assez chiant. Et personne va venir vient spécialement me chercher donc. Je vais passer derrière. Mais quel enfoiré. Il m'aime bien, hein. Ça sert à rien de se TP sur un mec qui est juste devant, les mecs. Ça sert vraiment à rien. Vous êtes plus rapide à y aller en nageant, vous vous faites pas repérer, et c'est quand même 10 fois plus mieux. Enfin, c'est 10 fois mieux, quoi. Est-ce qu'il est pas passé, ce couillon? J'ai pas confiance en lui. Hein. Yoshi, c'est genre le petit joueur qui va faire sa pute, là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils aiment de prendre cher. Il va essayer de l'avoir là.
J'adore. Putain, on le voit passer, genre... Ah. On est passé limite de la correction, là. Ah, vas-y, mais ça touche pas, quoi. Pour l'instant, il aura perdu tous ses duels contre moi, Yoshi. Ça me fait plaisir. Parce que souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt moi qui me fais déglinguer. Alors, est-ce que je devrais pas essayer de m'avancer pour essayer d'aider mes coéquipiers à aller chercher la... 2 kills, cool. Bon, ça c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Je suis assez rentable. Il n'y a que Yoshi. Yoshi passé côté droit. Il revient sur la zone, j'imagine. Je vais voir une curling arriver, je vais voir un mec me foncer dessus, je vais être dégoûté, voilà. Il m'a repéré. Casse-toi ! Faut qu'on récupère la zone par contre. La zone, je veux pas être le seul à prendre la zone. Casse-toi. Oh, l'autre qui se TP sur moi, mais arrêtez de vous TP sur moi, vous êtes des cibles faciles dans ces cas-là. Ah, vas-y, c'était sûr. Je suis content, pour une fois, je me serais pas fait tuer par Yoshi. C'est déjà un miracle. En plus, je suis deuxième niveau kill. Franchement, c'est raisonnable. Ah bah parfait, on est 8. On vient de jouer sur... Gymnase d'ancrage. Bah tu t'avançais, en fait je pense que tu t'es, alors je sais pas, hein, après tu vas me dire peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que t'étais vraiment focus sur aller me chercher et que tu te mettais vraiment trop en danger. Mais après, c'est dur de dire, hein, alors c'est un avis subjectif à un instant T. Ouais, est-ce qu'on fait ça? Ouais, là, je suis là peut-être un... Alors, avec... c'est vrai que cette map-là, tu deviens très vite résistant parce que t'as pas beaucoup de chemin d'accès pour aller chercher le mec qui défend. Mais, c'est vrai que... ouais, il a quand même essayé le côté gauche, mais bon, côté gauche, il peut pas faire grand-chose. Il est obligé de passer, enfin, sur mon côté droit, vers le pont, et pour essayer de d'avoir un décalage, quoi. Mais c'est difficile. Ah non, je protégeais pas, hein, mais oui, enfin si, je vois ce que tu veux dire, mais... J'étais surtout focus sur, dès que je te voyais arriver, fallait que je te dégage de là, quoi. Parce que je me disais, de toute manière, s'il est là, il va pouvoir passer et venir me chercher. Donc ouais, je faisais... en fait, sur la partie, c'est peut-être aussi ce qui nous a fait peur, hein. Je me suis vraiment focalisé que sur toi, c'est-à-dire que dès que je te voyais arriver, je foutais une fiole, j'essayais de te tenir à distance et de t'éloigner. Après, quand il y avait mon coéquipier, bah... C'est vrai que je faisais pas ma pute, quoi. Je l'aidais un peu. Parfait, il a pris le tour.
ça m'a valu ma mort, ça. Ça m'a valu ma mort. Ça m'a valu ma mort. Je suis pas fan de cette SP, par contre, là, on est vraiment trop cool. Ah, le petit temps de latence, il lui a pas sauvé la vie, malheureusement, pour elle. Pour lui. T'es sûr que tu veux ça? Ah ouais, quand même. J'allais dire, c'est un scandale s'il meurt pas, quand même, là. Je le savais, putain, j'avais vu, je tirais là où il était. Aïe, aïe, aïe. C'est énervant, ce jeu, putain. Je vais m'avancer, je vais me reculer. Non, il n'y avait personne, très bien. Le sniper. Ouh, Alexis, tu vas beaucoup trop loin. Là, on a besoin de toi à la base. Hein. Oh, bah, au moins, ils sont plus sur la tour. C'est plutôt dommage. Il a vite ses spé comme ça. Il les a eu tous les deux, non. Par contre là ça pue la merde. On a aucun map contrôle, c'est un peu la merde. J'étais mort, hein, je pouvais plus rien faire de toute manière. Il a eu de la moule, hein. Il voulait certainement en tuer mon coéquipier, mais je me suis trouvé sur sa voie. Il est derrière moi. Oh, ça l'a tué, ça, non. C'était pas mauvais ce double. Normal, j'étais dans mon camp et j'avais le map contrôle. Je sais plus à quelle de quoi tu parles. Hein. J'ai dû rager un moment, j'imagine. Ça m'étonnerait pas. Ça m'arrive pas fréquemment, mais. Ça y est, 24 déjà. Ah, oh, j'ai pas envie de faire une pluie de pas lourde. Hein. Je suis désolé, mais là. Ils sont chauds de ouf. Ah, bah oui. Alors, oui. Je sais pas si tu. Mako. Enfin, la plupart des gens de Mako Mus font partie d'équipes. Qui jouent, qui font des matchs donc en EBTV League. Donc ouais, ils sont plutôt chauds. C'est plutôt des mecs chauds. Ouais. Moi, je jouais avant, mais j'ai arrêté. Et puis ouais, c'est pas évident. Hein. Quand tu joues contre eux, tu vois qu'eux, ils ont pas arrêté le jeu. Donc bon. De toute façon, si tu veux progresser dans le jeu-là, t'es obligé de jouer avec une équipe et de comprendre comment. Le jeu se joue avec tes coéquipiers quoi. C'est pas en rank solo malheureusement que tu peux progresser. Vu que tu ne peux pas choisir d'arme, en fait tu dois partir en rank solo en ayant déjà choisi ton arme. Et ça c'est un mauvais point pour le jeu. À ce que dit Yoshijo. Ah oui d'accord. Ils sont chauds le ouf. Ça fait longtemps ça, j'aime beaucoup cette arme. Je trouve qu'elle est sous-estimée cette arme. Je sais pas si on la voit beaucoup le Nautilus. Moi je la trouve vraiment forte, hein, comme Badi, de pouvoir se déplacer avec ta charge. Même en tout cas, je me fais focus. Ah bah ça c'est sûr, hein, les gens ont tendance à.
Si tu vois vraiment qu'il y a un mec plus fort qui carry son équipe, ils vont avoir tendance à le viser en priorité. Hein. Ok, bien joué les mecs, vous êtes tous morts. Oh, toi t'es weak toi. Où t'es weak? Tu veux vraiment venir me chercher? Je suis pas sûr. Hein. Non, pas la bombe! Ah, oh, j'ai cru qu'elle allait me tuer la bombe. Ok. Alors ça, par contre, j'ai du mal à comprendre, hein, parce que ça me va. Ça donne l'impression que genre ça m'a one shot. Je l'ai raté. Oh là là. En fait, le problème de cette arme, c'est qu'il faut du map control. Et pourtant, on pourrait avoir le map control. C'est juste qu'on fait pas assez de kills, je pense. En tout cas, de mon côté, je fais pas les kills. J'ai essayé de prendre le bazou peut-être. Oh mais non, j'en ai un dans mon cul, là. Bordel, mes copies sont tous dans la base. Pourquoi je m'avance pas? Voilà, parfait, lui, c'est celui qui me saoule le plus. Magnifique tir qui sert à rien. Oh, j'ai une mythe de hit. Il le tue. Putain! Allez, faut qu'on rush là. Ils sont pas si loin devant. Allez, allez, rusher là. Rusher. Ouvrez-lui la voie. Ouvrez-lui la voie, bordel! T'es sérieux? Je me suis fait cross-kill sur ça. Je suis passé devant lui, quoi. Snipe.
il a abandonné. Je vais prendre un truc à boire, mais j'en ai pas. Bon, bah c'est sur cette magnifique victoire. Non, elle était galère cette victoire, hein, putain. Yeah! J'ai pas fait grand chose. Bon, après, Walker Buster en premier, c'est pas très étonnant. Hein. On connaît tous l'arme. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tous les cas d'avoir participé. Je suis désolé, la session doit s'arrêter là. Je vous ai déjà dit, je dois faire des courses en ligne pour après les récupérer. Je vous remercie d'être passé. On se retrouve pour un live certainement, mais demain après-midi et potentiellement lundi matin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.